Faisons trop pour le moment, d'un truc, voilà. Si les conditions sanitaires ont entraîné l'annulation de nombreux spectacles, le Centre d'art et de culture de Meudon continue de soutenir des artistes et a permis cette relecture de l'opéra italien de Giacomo Puccini, Butterfly. On arrive quoi? Bonsoir! Enfin, tu vois, le prince Yamadori. Il faut que tu sois en carafe tout de suite. Produit par deux compagnies, le spectacle a tenu sa résidence à l'espace Douaneau de Meudon-la-Forêt. Une création qui se voulait au départ plutôt intimiste. De fil en aiguille, on s'est dit que c'était dommage de se limiter qu'à un tout petit endroit et que c'était finalement un plus aussi d'être peu de musiciens. Et voilà, est né donc ce Butterfly qui est en même temps adaptable sur une grande scène, comme il peut l'être aussi du coup sur un petit espace. L'opéra italien se réinvente et le fragile papillon prend un nouvel envol sous la plume de la dramaturgie et sous la direction d'Arnaud Guillot, son metteur en scène. On a essayé justement de faire le pendant entre une vision occidentale et une vision un peu orientale de cette vie. Donc soit d'un côté on est vision un peu justement puccinienne, un peu romantique, ah mon Dieu, beaucoup de drames et elle pleure beaucoup et elle est très triste. Et puis d'un autre côté il y a peut-être cette vision un peu plus bouddhiste, un peu plus japonaise sur le destin, la fatalité et que oui, je souffre, mais en même temps ça a du sens et c'est pour préparer ma vie future. Madame Butterfly, l'envol, invite le spectateur à découvrir sous un angle nouveau l'histoire déchirante de la jeune femme japonaise. Et on s'est dit que ce serait intéressant de raconter son histoire du point de vue de sa servante, Suzuki, qui a vu toute son histoire, qui l'a vécue, mais qui était un peu impuissante. Suzuki, elle a beaucoup d'avis sur les choses, elle a un regard très bienveillant. Elle est drôle, je pense, elle est espiègle. Un travail préparatoire très important qui a permis une mise en scène étonnante, mêlant texte parlé et morceaux sonorisés. La conception, ça a été un peu, chacun, dites-moi ce que vous savez faire, et on mélange tout ça et on essaie de voir comment l'utiliser sur scène. De là a découlé l'idée que les instrumentistes soient par cœur. Et donc là, les instrumentistes sont vraiment partie prenante visuellement du spectacle. Et puis au-delà de ça, ils ont tous une partie un peu de comédien avec des textes à dire. Qui danse, ouais. Qui chante, et elles font même la conversation. C'est top, Rémi. Bravo. Et puis l'idée aussi, c'était d'aller explorer aussi des compétences qu'on ignorait nous-mêmes. On a essayé plein de choses, certaines ont été mises de côté rapidement. Et d'autres, on s'est dit, mais oui, mais ça marche, essayons. Je me retrouve, par exemple, à chanter avec un micro, ce qui ne m'est jamais arrivé auparavant. Les costumes participent à l'envol de ce spectacle chrysalide, devenant papillon au fur et à mesure que s'installent les artistes dans leur rôle de composition. On est parti sur du tissu sur lequel j'ai passé de la colle à bois. Et ça donne en fait cet aspect papier plissé en fait. Voilà, on met en forme et ça reste. Grâce à l'engagement du service culturel de la ville, les artistes de Butterfly voient leur travail s'accomplir comme un deuxième envol. Ça a été un oasis pour tout le monde. On est arrivé au bout de notre démarche artistique. C'était tellement émouvant. Que c'est vraiment le signe fort de notre engagement qui n'est pas que intellectuel, qui n'est pas que artistique, mais qui est aussi viscéral. Prévu le 18 novembre dernier, le spectacle n'a pas pu avoir lieu, mais les artistes ont pu terminer leur création et présenter une restitution à leur résidence meudonnaise. Butterfly a pris son envol.